to see him. The dark side of my soul, dark side of him. To feel free, you just want to have part of this story. I just want a man sharing my dreams. 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 It's a big tsunami. I will take one. I need thinking to myself, no sorrow, regrets. I just want a man sharing my dreams. I just want a man sharing. Say chum chum doody doo da, scab it body now. I say yeah yeah yeah, scab it body now. I say yeah yeah, scab it body now. I say yeah yeah yeah, scab it body now. I say yeah yeah. You want to know what my feelings. Just wanted a man sharing my feelings. I just want a man sharing my dreams. 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 Ooh, yeah. I say, jump. Bravo et merci à Sandy Factory avec donc Hilario au percu, Julien à la basse et Miss Sandy au chant et à la guitare. Alors Sandy Factory, c'est plutôt original, vous comptez produire des hits à la chaîne, c'est ça? Et pourquoi pas? Et il nous manque aussi Vincent, le guitariste. Voilà, qu'on salue bien sûr. Non, rien. Non, on travaille. Vous étiez anciennement la chanteuse de Skyvola. C'est donc une nouvelle aventure qui s'ouvre devant vous. C'est ça, avec des nouveaux potes, des nouvelles compos, des nouveaux délires, des nouveaux tout. Le mot d'ordre du groupe? S'amuser, éviter les larcènes. Faire bouger les gens, toujours ce même mot d'ordre, faire rire, faire bouger, donner un peu d'envie d'écouter des compos et s'ouvrir un peu à ça en faisant des rythmes et des petits sons plus accessibles, je pense. Toujours autour du rock'n'roll? Électro, pop, rock, noisy, quand tu veux, où tu veux. Voilà, on a de plus en plus d'ailleurs de femmes, entre guillemets, dans ce créneau. Nous, du moins, on en reçoit de plus en plus. C'est bien. Le rock a la cote chez les femmes, c'est ça? Je pense que la femme a peut-être plus d'espace d'expression que précédemment et que ce machisme ambiant commence à être un petit peu écrasé par notre intelligence suprême. Ça a le mérite d'être dit, pas forcément d'être acquiescé, mais au moins le mérite d'être dit. Alors le thème récurrent de vos compos, c'est ça, la supériorité féminine? Non, pas du tout. Non, ça parle de tout, de rien, de choses légères, de choses plus profondes, d'amour inévitablement, mais
de plein d'autres choses que je ne citerai pas toujours en public. Donc j'imagine de la scène dans un premier temps pour roder ce jeune groupe. Voilà, ben on a de la chance, on va jouer déjà pour la fête de la musique a priori, on va jouer le 2 juillet au Bohème avec Darling & Co et le groupe Botox dans le cadre des soirées Black Woodstock Festival. Et au festival Black Woodstock qui est 30 septembre et 2 octobre avec Chapiteau d'ailleurs et puis toute la bande, vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est la question dont j'allais vous parler, dont j'allais justement vous poser. Vous occupez du Black Woodstock, il y a des appels à faire sur les artistes, vous avez besoin de quelque chose? On est toujours enchanté de rencontrer des artistes qui veulent participer au festival, c'est jamais fermé et ce ne sera jamais. On veut par contre absolument des compositions. C'est le bon concept, c'est de motiver les gens à être sur la composition, à oser, à se faire confiance pour faire des vraies chansons, pas des reprises. Eh bien, encore un grand merci à Sandy Factory. Et pour en savoir plus sur le groupe, n'hésitez pas à vous ruer sur la page Facebook de l'émission.